Les Algériens de France, que pensent-ils du coup d'État ? La position de la France, une déclaration du ministre de l'Intérieur sur la situation en Algérie. La délocalisation de l'école vétérinaire, les élèves manifestent de façon originale. Les filles et la technique, une campagne de sensibilisation. Tels sont les grands titres de l'actualité de cette semaine. À tous et à toutes, bonjour. En studio, Daniel Janowski. Madame, monsieur, bonjour. Reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie par la communauté européenne. C'est ce qu'a annoncé la présidence portugaise le mercredi 15 janvier. La France insiste particulièrement sur le respect des droits des minorités par la Croatie. Au comité d'État en Algérie, cette présidence collégiale reprend les pouvoirs que détenait le président Chadli Benjedid. Mohamed Boudiaf, qui sera à la tête de ce comité, est attendu à Alger en ce jeudi 16 janvier. Quant au Front islamique du Salut, le FIS, il faisait état mercredi de l'arrestation de plusieurs de ses membres. Pas de panique néanmoins à la Goutte d'Or, ce quartier de Paris, dans le 18e arrondissement, qui connaît la plus forte concentration d'immigrés maghrébins. Quels que soient les événements de l'autre côté de la Méditerranée, les Algériens de Paris gardent le calme, comme le montre ce reportage réalisé le lundi 13. Les rues de Paris se sont lentement peuplées au rythme de l'ouverture des magasins. Pas de regroupement, la situation politique de l'Algérie, on en parle, mais sans s'exciter. Les décisions du Haut Conseil algérien ont été perçues d'une manière plutôt favorable, surtout chez les femmes. On n'aime pas le fils, nous. Est-ce que vous pensez... On aime bien la liberté. Ouais. Ben, l'Algérie, c'est aussi bien qu'il y aura dans la démocratie au lieu de fils, hein. Ça c'est certain. Parce que si c'est le fils, ça serait tout à fait autre chose. Hein. Donc pour vous, d'avoir bloqué le fils, c'est un pas vers la démocratie. Exactement. Moi, pour moi, les militaires aujourd'hui, ils quadrillent l'Algérie pour rétablir une démocratie sur d'autres bases, ce que le FLN n'a pas fait. C'est une bonne chose pour les jeunes que le fils ne passe pas. Quant à l'avenir de leur pays, les Algériens sont plutôt sereins. Il n'y aura pas de guerre civile. On est tous des Algériens. Que ce soit l'armée ou le fils, on est tous des Algériens. Il n'y aura pas de guerre civile. Quand même, on est un peuple un peu soudé et tout. Et des problèmes comme ça, ben, on en a l'habitude. Une guerre civile, je ne sais pas. Moi, je connais comment ils sont sereins, les Algériens. Je ne pense pas qu'ils vont aller se taper dessus. Bien sûr, il y aura des minorités des deux côtés qui vont se taper dessus. Ça ne veut pas dire une guerre civile. Le calme qui règne à Alger semble avoir touché la communauté algérienne de Paris, qui aujourd'hui attend la suite des événements. Daniel, à propos de la position des Algériens de France, quel commentaire vous inspire ce film ? Eh bien, une seule question. En quoi la France est-elle responsable ? On entend souvent qu'une des raisons du développement de l'intégrisme religieux dans un pays serait due à sa mauvaise situation économique. Toutes ces dernières années, l'Algérie a connu une économie de type soviétique. Si l'on se tient à l'avis de certains hommes politiques français de droite, la France aurait pu s'opposer au développement d'une économie de ce type. La France est en effet le premier créancier de l'Algérie depuis 1962. Un créancier, que ce soit une banque ou dans notre cas un pays, a toujours pour habitude de poser des conditions à un prêt. Les Français auraient donc pu parfaitement exercer une pression sur les dirigeants algériens pour que ces derniers installent une meilleure économie de marché, mais aussi un véritable pluralisme politique. La France n'a rien fait. D'ailleurs, en avions-nous vraiment le droit ? Un pays peut-il se permettre d'imposer sa conception de la démocratie ? Ce point nous amène aussi à un autre problème. L'armée a-t-elle aussi le droit, comme c'est le cas ces derniers jours en Algérie, d'imposer sa force pour combattre un mouvement qui, ne l'oublions pas, est arrivé de façon tout à fait démocratique au pouvoir ? Les membres du FIS ont été élus par les Algériens. C'est une décision que nous devons respecter. Alors, si le fils arrive vraiment au pouvoir, que peut faire la France ? Cesser de soutenir financièrement le gouvernement algérien en place en argumentant que les principes démocratiques du fils
ne correspondent pas aux nôtres. Réaction du ministre de l'Intérieur à l'interruption du processus électoral en Algérie. Philippe Marchand a exposé le point de vue de la France le dimanche 12 janvier dans le cadre de l'émission Grand Jury RTL Le Monde. Écoutons-le. La France doit être attentive d'abord pour des raisons évidentes, historiques, et parce qu'il y a en France 720 000 personnes, hommes et femmes de nationalité algérienne. Le ministre de l'Intérieur, compte tenu de cette présence très importante sur notre sol, se doit bien sûr d'être attentif et se doit de prendre éventuellement un certain nombre de mesures. Si une personne se présente à la frontière en disant « je me présente à la frontière parce que, en l'occurrence, je suis opposant au front islamique du salut », il est bien évident que, de droit, cette personne ne peut avoir le statut de réfugié politique. Je pense que c'est assez clair sur ce point. Délocalisation, voilà un terme qui figure au cœur de la polémique sur le transfert de certaines grandes écoles, ces établissements supérieurs d'élite en province. Après l'ENA, l'école supérieure d'administration, c'est l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, en région parisienne, qui est menacée d'exil. Le lundi 13, les élèves de l'école vétérinaire et leurs bêtes avaient décidé de manifester leur hostilité à ce projet de délocalisation. Un escadron de gendarmerie au grand complet, la police, quelques élèves vétérinaires, trois ou quatre professeurs, une manifestation terriblement redoutée. C'est ici que s'est déroulé l'attentat. La voiture officielle est arrêtée, Edith Cresson en sort. Les attaquants dérobent la clé, objet de toutes les convoitises, la clé de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. La course devait commencer alors dans Paris. Les blouses blanches, terroristes d'un jour et leurs comparses, chiens en majorité, n'ont pu jouer leur farce. L'étudiante vétérinaire Edith d'un jour est embarquée avec son chauffeur pour contrôle d'identité. La manifestation est interdite par arrêté préfectoral pris hier, dimanche, c'est dire l'urgence. Bah, je pense que c'est un peu disproportionné, quoi. Nous, on voulait juste courir dans les rues de Paris pour montrer qu'on ne voulait pas être délocalisé. Et bon, bah, tout ça, ça nous fait un peu peur, quoi. Bon, c'est une manifestation qui est a priori folklorique et sympathique. Et on nous empêche de la faire. On va déranger personne. On est là, on est une quinzaine à courir avec nos chiens. On n'embête pas la population de Paris. On défend simplement notre école. Et on a trois quarts de CRS qui nous empêchent de passer, c'est tout. Donc, c'est assez comique de voir trois quarts de CRS pour arrêter 10 personnes avec 5 ou 6 chiens. Les futurs vétérinaires parlent de transformer leur école en château fort. Les gendarmes sont prêts à toute éventualité. Les seuls à garder leur calme sont les chiens. Alors Daniel, est-ce que ces histoires de délocalisation vont faire tache d'huile ? Mais non, loin de là. D'ailleurs, la première question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi tout ce qui est considéré comme important en France doit toujours se situer à Paris. Il n'y a rien de négatif à voir dans le déplacement, par exemple, de l'ENA à Strasbourg. Au contraire, cette délocalisation de la si célèbre école d'administration française, d'où sort d'ailleurs la majorité de nos hommes politiques, pourrait même avoir des répercussions très positives sur l'Europe. En effet, ce que l'on sait rarement en France, c'est que de l'autre côté du Rhin, très exactement à Spire, dans le Palatinat, il existe une école allemande tout à fait semblable. Cette école de Spire, qui forme les cadres administratifs des Länder, existe depuis 1947. Elle est ravie du rapprochement géographique de l'ENA. Pourquoi ? Parce que des échanges au niveau des élèves, des programmes et des professeurs pourraient conduire à un concept plus européen de service public. Certes, il y a eu déjà des échanges dans le passé, mais alors que nous parlons très fort d'une grande Europe, on ne peut que souhaiter que tout soit fait, même à ce niveau, pour que cela se réalise encore mieux. Les filles boudent la technique. Auraient-elles intériorisé les stéréotypes attachés à leur sexe ? Elles sont réputées littéraires, alors que les garçons passent pour des matheux. Le fait est qu'il n'y a que 17% de filles dans les classes préparatoires scientifiques et à peine 10% dans les écoles d'ingénieurs. Et pourtant, à l'école, elles réussissent généralement mieux que les garçons. Véronique Neyertz, le secrétaire d'État aux droits de la femme, a décidé de lancer une véritable campagne de publicité pour inciter les filles à embrasser une carrière technique. Une enquête sur le terrain. Tirer vers le bâtiment, enfin, et en l'occurrence la vie de chantier, c'est l'autonomie, c'est la variété, c'est le fait qu'il n'y a pas de routine, que
qu'un chantier, c'est à chaque fois des problèmes différents, des gens différents, c'est tout ce qui bouge. Il faut avoir la flamme, il faut avoir le feu pour pouvoir faire de la technique. Je trouve dommage qu'on ne donne pas plus aux jeunes filles dans les lycées l'appétit. L'appétit de la science, l'appétit de la technique. Une femme ingénieure, c'est toujours aussi rare exemple à suivre pour des milliers de lycéennes tentées par les filières scientifiques et techniques. Au lycée Condorcet, l'une des terminales C, presque autant de filles que de garçons, normal, elles réussissent mieux à l'école. Au début du siècle, il n'y avait presque pas de femmes qui arrivaient à l'université, alors que de nos jours, elles sont plus nombreuses que les hommes, ce qui montre bien qu'il y a un progrès. La réussite des filles, c'est peut-être parce qu'elles sont plus sérieuses aussi, je crois. Comme on a vu, elles ont autant de chances de réussir que les hommes, et ils n'ont pas plus de facilité dans quoi que ce soit. Dernière ligne droite avant le bac, c'est la période où il faut déjà préparer les études supérieures toutes proches. L'époque où beaucoup de filles renoncent aux grandes écoles d'ingénieurs, le plus souvent par excès de modestie. Elles ont la crainte de l'effort soutenu qui est exigé d'elles au plan physique et au plan psychologique dans les classes préparatoires. Argument traditionnel qui fait bondir celles qui, justement, se sont lancées en classe prépa. À peine plus nombreuses qu'il y a 5 ans, elles s'attaquent à un bastion masculin, les écoles d'ingénieurs. On dit les filles sont littéraires et pas trop scientifiques, mais il n'y a aucune raison, quoi. C'est parce qu'on dit ça tout le temps et que ça s'entend partout et que ça, après, ça rentre dans la tête, quoi. Mais bon, nous, on est scientifiques. On se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de restes des différences entre femmes et hommes. Et finalement, même inconsciemment, les filles se sentent exclues d'un certain nombre de professions. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être toujours cette espèce d'a priori qui reste ancrée dans les esprits des employeurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir ébranler, qu'on doit pouvoir changer. Dans les 20 prochaines années, l'économie française aura besoin de 500 000 ingénieurs et techniciens. Avis aux employeurs, ne fermez pas ces portes aux femmes. De plus en plus, elles renonceront au CAP coiffure sans débouché. La technique, c'est aussi pour elles. Ne quittons pas ce dernier film qui mérite quelques explications complémentaires. Nous apprenons que désormais, il y a presque autant de filles que de garçons dans les terminales C. La terminale, c'est la dernière classe du lycée. La première classe, à 11 ans, étant la sixième. C'est celle où l'on fait essentiellement des maths et des sciences. Et c'est aussi la voie royale pour entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs. Après le bac, les classes préparatoires ou prépa scientifiques, appelées en argot scolaire taupes et hypotaupes. Un régime de travail impitoyable pendant 2 ans, avec au bout du tunnel le concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Notez bien le terme « concours » et non pas « examen », car s'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Seuls les meilleurs y auront accès. Voilà qui est tout de même plus valorisant qu'un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle préparé en 2 ans après la 3e du collège. En espérant que les voies d'accès aux grandes écoles n'ont plus de secrets pour vous, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine aux mêmes heures. Au revoir mesdames, messieurs, au revoir. Au revoir et à bientôt. Den Text dieser Sendung und die dazugehörigen Sprachübungen gibt es im Abonnement bei der TR Verlagsunion, Postfach 8000 München 26. Und auch in Brei beim Bayerischen Blindenbund, Telefon 089 für München 59 41 55.